Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mad29, on se retrouve sur Farming Simulator 20 pour la suite. J'ai relancé l'automatique, donc la machine automatique. Elle a quasiment terminé. Celui-ci, on va pouvoir le mettre en automatique sur le champ. Niveau 5. Je vais d'abord le mettre en auto. Ensuite, on va utiliser parce que la presse, on l'a terminée. Oui. Donc. Celui-ci, il n'y a plus rien à faire avec. Donc celui-ci, on va... je vais ranger la presse déjà. Ou alors je lance... On va vider celle-ci. Hop, ça c'est fait. Ici, on détache cette coupe-là et on met l'autre derrière. Ou alors je ramène avec moi. Ouais, mais mettre ça sur la route, ça va être de la merde. Donc, non, non. On va faire un truc, c'est que... non, c'est dans l'autre sens. J'aurais bien aimé replier la machine quand même avant. Pourquoi faire tac-tac? Hop. On va quand même mettre l'autre coupe derrière plutôt. Hop. Et on va jusqu'aux choses. Allez, c'est parti. En champ, il nous reste 3 champs à acheter. Donc le 10, celui d'ec là. Et le 12 et 13 là, au fond. Ben, au nord. Ceux qui sont... de part et d'autre du concessionnaire et tout ça. Et avant de les acheter, j'aimerais bien m'acheter le matériel pour faire le coton et la betterave, pommes de terre et tout ça aussi. Comme ça, on sera top au niveau des cultures, on aura tout ce qu'il faut.
Hey. Je vais faire comme ça. Oui, bien sûr. Hop. Ça, c'est fait. Pour être tranquille, on va quand même faire un passage en bas, donc un passage dans ce sens-là et un passage pareil de l'autre côté, en face. Comme ça, il fera tranquillement ses allers-retours sans rater des morceaux. Hop. Donc de ce côté-ci, c'est fait. Maintenant, on va de l'autre côté. Et je ferai en sorte de revenir de ce côté-ci plutôt pour faire les allers-retours pour commencer de ce côté-ci, quoi. Ouais, tant que ça se déplie. Et on y va. Oui. Mon avion doit être à plus de 10% parce que la trémie reste ouverte. On lance l'automatique, on va récupérer la remorque, on la vide, on la mène ici. Et puis c'est parti. Hop. Alors lui, bah, il a quasiment terminé. La remorque est normalement. Elle est là. Moitié de benne quand même pour le champ. Allez. Pour commencer les cochons, il faudrait qu'on ait de la betterave ou de la pomme de terre, mais si on a le reste. Hop. On passera par l'autre côté, hein, pour aller plus vite.
Hop, on se met sur le trieur. On vide tout ça. Hop, et on retourne au champ 11 du coup. Ben, on va au champ 11 surtout. Hop. Allez. On va peut-être commencer à semer aussi. Il y a combien la benne? On attend. Encore. On peut encore. On va la mettre là. On va laisser tranquille. Ici. On va peut-être commencer à on va ramasser d'abord les bottes quand même avant. Après, ce serait bien quand même de commencer à semer. Donc il faut nettoyer et réparer celle-ci. Et puis, ce sera bon. Mais après, je la mettrai au niveau des chandelles. Allez, ça c'est fait. On redépose tout ça au niveau du premier jonc d'herbe là. On va récupérer la planteuse. Et donc on a dit maïs. Non. Soja. Sur le champ numéro 4. Et avant d'envoyer le déchaumeur au prochain champ, on regarde s'il a tout fini. Allez. Je vais peut-être attendre qu'elle finisse. Bah, qu'elle fasse son demi-tour. Elle est pas loin d'être remplie au niveau de sa trémie. On va attendre qu'elle fasse son demi-tour.
Hop. Allez. Faut qu'elle les plie. Hop. Après, c'est du soja, donc normalement, ça devrait pas remplir. Il n'y a pas un rendement fou là-dessus. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, ceci, est-ce qu'il est terminé ou pas? Donc lui, bah faut l'envoyer au champ. Il tourne pas avec ça. C'est l'outil hein, qui fait que ça braque pas du tout. Allez. On va amener tout ça au champ 11. Et après, on continue de ramasser les bottes. La seule qui reste, en fait, celle du champ 7. Hop. Allez. Hop. Ben en gros, il a quasiment terminé, quoi. En gros, c'est ça. On a quasiment terminé le champ. Il restera plus que les semis à faire. Mais ça, on fera avec les deux tracteurs. Bon. Allez, continue de ramasser les bottes. Hop. Hop.
premier chargement, on va vider et on recharge les autres. Comme ça, après, on pourra aussi. Bah après, il faudra qu'on. Comme ça, on pourra semer le champ tranquillement. Surtout. Alors, combien encore? 2. Encore 4. 4 et puis c'est bon. Ah, il y en a un qui a terminé le travail. La dernière. Alors. On passe à la moissonneuse qui a terminé. Donc on va vider tout ça là-dedans. Je vais la mettre au bord du champ, hein. Tout comme le tracteur, et puis dès qu'on aura lancé le déchaumeur, on ira envoyer. Je vais peut-être finir d'abord de ramasser les bottes quand même. On soit tranquille pour faire les semis. Après, faudra pas que j'oublie de récupérer la coupe à maïs. Et de l'amener au champ 5. Hop. On récupère, on la met de côté. La remorque, bah non, bah du coup je peux lancer celui-ci de toute manière. Mais je ferai la remorque, on fera la remorque plus tard. Priorité au semis, ramassage des bottes aussi, et puis et des chômages, bien évidemment. Comme ça gêne personne. Le semin, je crois qu'il a terminé. Mais il a terminé comment? Tout sauf l'eau, bien sûr. Ça, c'était obligé. Donc on va redéplier. Et cette partie-là, on l'a fait nous-mêmes. Déjà normalement. C'est bon. Alors, on désactive. Prochain champ, c'est du maïs. Donc on l'amène au champ 5. Et après on récupère la ramasseuse à bottes. Allez, où? Alors, elle est où? Elle est là. On va amener ça au point de vente.
Je vais me mettre de l'autre sens quand même. Hop, on attend que ça se vide. Et après, on repart au champ. Voilà. 4845 euros. On récupère les dernières bottes. Et je pense qu'il y aura assez pour mettre sur un plateau. Pour le reste, et puis après, et ben celui-ci on l'amènera, on le nettoiera, et on l'amènera au niveau du champ d'herbe. Il reste plus que ça en botte. La dernière. Après, on va vider tout ça. Et puis, ça sera bon. Et même pour aujourd'hui, ça sera bon parce que l'épisode va se terminer. On aura bien avancé. Les moissons sont terminées. Les bottes, c'est fait. Le chômage, quasiment terminé. Les semis, on a commencé les semis. On va attendre que ça se vide. Tac. Bon, on continuera la semaine prochaine. Je vais juste nettoyer celui-ci. Et mettre tout ça au niveau du champ d'herbe, du premier champ d'herbe. Hop. Et puis comme ça, bah, on sera bon, on sera paré pour terminer l'épisode, et puis voilà quoi. Donc, la semaine prochaine, on continuera les semis. Le déchômage, on le terminera. Et puis on commencera à ranger, à préparer les prochaines récoltes. On nettoiera la moissonneuse, on la mettra au champ numéro 4 avec la coupe à céréales. La coupe à maïs, ben, on la nettoiera et puis on la mènera au champ 5. Hop! Alors, nous on s'arrête là, on se dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Allez, ciao ciao, et à la semaine prochaine.